partout. Chocolat. L'eau, elle sent le fruit. Monte. Salut les toqués. Aujourd'hui, on a essayé de se lancer un petit défi avec Virgile. Et pour ça, on a créé un petit concept. Le random cake. On a quatre couleurs de papier. Le rose, ça va être tout ce qui est texture. Couleur saumon, ça va être tout ce qui est parfum. La verte, ce sera les pâtes. Et les jaunes, la déco. Du coup, on va faire mélanger ça au robot et on va choisir au hasard. Bah regarde quand même, ouais, bah, il faut que je cache un rouge. Couleur, hein. Marmelade. Ok. Ça va. D'aquoise. Quoi ça va? D'aquoise ça va. Ouais. Non, c'est tout petit ça. Masse adressée. Bon ça c'est tendu. Orange. Bon ça va. Orange ça va. Bon, vous savez quoi, on va se retrouver dans une semaine, on va quand même réfléchir là-dessus. 1 week later. Après avoir réfléchi, donc on sait ce qu'on va faire. Donc on va partir sur une orange en trompe-l'œil. Et pour la masse adressée, on a essayé de faire quelque chose quand même d'assez costaud. On a toujours le travail du chocolat, on est parti sur un arbre à 3 branches. J'ai posé en fait nos gâteaux en forme d'orange sur les 3 branches. Et le tout sera dans un pot en chocolat. Du coup, ça va faire une espèce d'oranger. Exactement, un oranger dans un pot de fleurs, quoi. Voilà. Bah voilà. On attaque par la marmelade. Donc moi, dans ma casserole, j'ai de l'eau, du jus d'orange et du sucre. Et de l'agar. On a mis un peu de basilic du coup. Ouais, ça va rafraîchir un peu. Et puis ensuite, dans la deuxième casserole, j'ai un deuxième sirop, eau et sucre, où là, Steven, il est en train de nous couper justement les écorces d'orange qu'on va venir en fait confire dans notre sirop. On passe directement à la crème à l'orange. Donc là, dans le cul-de-poule, on a mis les zestes d'une orange, du jus d'orange, du sucre, des œufs et des jaunes. On va mettre ça au bain-marie, on va cuire ça tranquillement jusqu'à épaississement. Et après, bah, une fois que ce sera cuit et un peu plus tiède, on ajoutera le beurre et la gélatine. On attaque direct la daquoise qu'on a fait à l'amande, qu'on a aromatisé à l'amande. Poudre d'amande, sucre glace, farine. Qu'on va ajouter en fait au blanc monté. Vas-y, mon ami. Ok, d'accord. Oh non, mais t'es non, sérieux. Non, mon gars. Mais... Vous voyez le plan de travail? Cadeau. Il est sale. Hein. Cadeau. Allez, il va être propre. Bon, les toqués, si vous aimez nos vidéos, pensez à nous suivre sur les réseaux. Instagram. Facebook, qui s'affiche juste ici. Et Twitter. Voilà. On s'attaque tout de suite à la pâte sucrée. Donc, dedans, Virgile. Le beurre et le sucre. Et là? La farine. Et ça, c'est... Un œuf. Répète. Oh putain. Attends, t'as pas un petit bout, là? On va nourrir la caméraman. Hop. La maîtrise. On enchaîne directement sur le glaçage. Le glaçage, on rappelle rapidement. Les concentrés chocolat blanc, glucose, sucre, eau. Donc on ajoute la gélatine et ensuite on vient mettre du colorant, donc un peu de jaune et un peu d'orange pour rendre l'orange beaucoup plus flash. Action! C'est bon, le glaçage est terminé. On va tout de suite attaquer au tempérage du chocolat pour pouvoir s'attaquer à la base de la pièce. Putain, j'ai merdé. Je suis désolé. Je suis une merde. C'est pas grave, mec. Donc là, je vais tout de suite en fait mettre un coup de pinceau pour être sûr que la pièce se démoule bien. Et en plus, ça va la solidifier et ça évite les bulles d'air. Oh le bâtard! N'importe quoi. Mais ça c'est quoi? C'est du cacao. Non, ça c'est quand t'as... On a des cacao, ouais. C'est pire. Bon, on va tout de suite s'attaquer à la marmelade qu'on a tirée au sort. On va la terminer. Donc les oranges sont confites. Et ben, moi je vais les tailler en brunoise. Toi tu vas me faire des petits segments. Et on va mélanger le tout et on va faire nos inserts.
Donc là, on s'attaque directement à l'insert. Donc pour rappel, dans le premier bol, on a bien sirop collé à l'agar avec du basilic qu'on a mixé. Là, on a des segments d'orange confite. Et des segments d'orange fraîches. Là, on s'attaque tout de suite du coup à la masse à dresser, la partie la plus technique quand même, la plus amusante. Et la plus amusante, donc simple, beurre de cacao fondu qu'on va ajouter à la poudre de cacao. On va obtenir une pâte que je vais mettre en poche et ensuite on va venir en fait pocher pour former un arbre en alu, en tout ce qu'on a trouvé quoi. Il y a de l'alu, du scotch, des cure-dents, il y a tout. Dites-le en commentaire, un arbre ou une bouse ? Bon bah c'est bon là, on va tout de suite floquer le pot, histoire qu'il ait une couleur un peu terre cuite. Donc là, moi, je vais faire les petits palets qui vont aller sur les branches pour pouvoir justement mettre nos oranges. Bah moi, je vais badigeonner un petit peu de chocolat noir. Et après, je viendrai moi brosser une fois qu'il a mis son petit coup de pinceau, exactement comme dans l'autre vidéo. Si tu l'as pas vu, c'est dommage pour toi. Tu comprendras pas. Et là maintenant, on va faire les volutes en chocolat avec du chocolat mixé, donc exactement pareil que la vidéo précédente. Bon alors là, pour la déco de l'orange, comme on a décidé de faire un trompe-l'œil, on a essayé de faire des petits pépins en chocolat. Donc pour ça, on a récupéré les pépins de l'orange. Et ça, ça a été assez compliqué. Ça a été 3 kg d'orange pour 2 pépins. Putain, il n'y a pas de pépins dans ces oranges. C'est pas vrai. C'est pas une blague, hein, aucun. Donc les pépins, ils sont accrochés en fait avec un cure-dent, avec un peu d'huile. Et ensuite, on va faire une petite masse gélatine et on va couler dedans et ça va nous faire un moule. Donc c'est parti, on égoutte la gélatine, on le met dans ton petit sirop. La caméraman nous a dessiné des petites tranches d'orange et coupées avec une machine qu'on a. Et là maintenant, on s'attaque au montage de l'orange. Wouah, la veste! C'était un flobber, c'est pour ça. On va ajouter une dernière petite finition, je te laisse leur en parler. On va mettre des sponge cake histoire qu'il ait l'air un peu moins mort l'arbre. Ouais, c'est parfait. Maintenant, on va s'attaquer directement au glaçage des oranges. Une deuxième couche, mais cette fois-ci beurre de cacao et chocolat pour avoir une petite coque un peu solide. Et après, on va les pulvériser avec du nappage neutre pour donner en fait ce côté peau d'orange. On va enlever les petits cure-dents, on va venir mettre la petite déco en chocolat blanc qu'on a fait ici et on n'aura plus qu'à mettre en fait les petits pépins. Me.
quand même la petite dégustation parce que c'est important. T'as la pression un peu là? J'ai la pression parce que c'est quand même pas mal lourd, hein, mon gars. On en met combien au maximum avant que ça casse? Objectif réussi. Moi, je voulais les trois oranges sur l'oranger. C'est magnifique. Écoute, on y est. Je me permets de la faire tourner un petit peu vite fait, comme ça. Voilà. Attends, attends, ils vont venir voir, là. Bon, les toqués, là, je crois qu'on mérite peut-être un pouce bleu, là. Même un abonnement. Ouais, et peut-être même une petite cloche. J'entends la cloche, écoute. Dégustation. T'as un oranger devant toi, tu choisis. Celle-là. J'arrive plus. Non mais c'est super bon. Hein. C'est fruité quoi, enfin, on sent vraiment l'orange. Il y a le basilic, en fin de bouche, c'est hyper bon, ben, vraiment. Hein. C'était une réussite. Petit check. Tout simplement. Abonnez-vous.